tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre, non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes. Il y a beaucoup d'émotions forcément à voir ce visage ici au cœur de Nice, comme un juste retour des choses. On la voit là comme on l'a toujours connue. Sourire léger, regard doux, collier de perles comme rempart. Je ne suis pas une militante dans l'âme, mais je me sens féministe, très solidaire des femmes, quelles qu'elles soient. Nous, les enfants, je suis fier de la manière dont Nice est intervenue pour que l'on continue à voir maman. Se fixant de grandes ambitions, l'Europe pourrait faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes. La paix, la défense des droits de l'homme, davantage de solidarité entre les riches et les pauvres. L'Europe, c'est le grand dessein du 21e siècle. À tête en tête avec Simone Veil, en la regardant dans les yeux, à lire ses bouquins. Et elle a été ancrée vraiment pendant ces moments en moi.